Dans le bus, il faut être patient et bien sûr savoir serrer les dents. Ah, le bus, quel bon moyen de locomotion. Dommage qu'il soit pris par autant. Celui qui dort dans l'allée dans lequel on se prend les pieds, celle qui demande un arrêt alors qu'on est presque arrivé, l'autre qui ouvre la fenêtre en grand et on se prend tout le vent, puis mange un repas odorant qui te parfume pendant longtemps. Dans le bus, il faut être patient et bien sûr savoir serrer les dents. Ah, le bus, quel beau moyen de locomotion. Dommage qu'il soit pris par autant. Celui qui s'accoude à ton siège et c'est ta tête qui est prise au siège. Et celle qui regarde film à 3h du mat alors qu'on aimerait dormir, c'est l'éclate. Et puis ceux qui savent pas viser et jouent au-dessus des WC. Les autres qui crient dans leur téléphone comme s'il n'y avait plus personne. Dans le bus, il faut être patient et bien sûr savoir serrer les dents. Ah, le bus, quel beau moyen de locomotion. Dommage qu'il soit pris par autant de... Mais parlons un peu des chauffeurs qui parfois nous mettent en sueur. Entre ceux qui vont à 100 l'heure pour voir comment se porte ton cœur. Les autres qui doublent dans les virages, ceux d'en face se cachent le visage. Les derniers qui ne s'arrêtent jamais, même après 10 heures de trajet. Dans le bus, il faut être patient et bien sûr savoir serrer les dents. Ah, le bus, quel beau moyen de locomotion. Dommage qu'il soit pris par autant de cons. Après avoir réfléchi, j'ai trouvé la solution. Je conduis mon propre bus, tant pis pour la pollution. Au moins je suis tranquille sur mon propre goudron. Et puis maintenant à bord, il n'y a plus qu'un seul con. Le bus, il faut être patient et bien sûr savoir serrer les dents. Ah, le bus, quel beau moyen de locomotion. Dommage qu'il soit pris par autant de... Dommage qu'il soit pris par autant de...